lancé le live. Oh merde. J'ai lancé le live avant de tout préparer. Merde. Je fais les choses dans le désordre. Ok. Ouais, je suis un peu fatigué. C'est la fin de la journée. J'ai bossé. J'ai streamé aussi ce matin. Ça va, je stream rien de compromettant. Donc c'est bon. Pop out le chat YouTube. C'est la partie 7 du coup, les gars. J'ai lancé le. Je vais faire probablement que je regarde après pour le titre du stream. Il sera probablement sauvegardé en tant que partie 6. Mais du coup, c'est la partie 7. Et du coup, on va pas jouer. J'ai même pas le micro au bon endroit, putain. On va pas jouer excessivement longtemps ce soir parce que je suis un peu claqué quand même. Et puis, je vais probablement restreamer demain matin si je me réveille encore. Si j'arrive à me lever, j'ai même pas le son allumé en fait. Je fais n'importe quoi là ce soir, c'est. Complètement à la zub. Complètement à la zub. Ouais. Et ben. Je vais lancer le jeu et puis. On va voir ce qui se passe. Aviana Christiane. Ça ressemble vaguement à du spam, mais tant mieux. Si je me fais follow par des bots. Bloodstained, oui. Pff, ça va plus. Ok, donc streamer le matin, c'est pas une bonne idée. Streamer le soir en rentrant du boulot, c'est pas une bonne idée non plus. Je prends note. Je suis bien crevé. Ah, oui. Je sens que je vais avoir plein de problèmes de manette encore là ce soir. Ah, et puis aussi, il faut changer la scène pour Bloodstained. Le chat YouTube. Chat YouTube affiché. Qu'est-ce qu'il faut que je coupe ou pas couper? Discord, je coupe. Ça, je coupe aussi. Ça, je coupe. Et c'est tout. Ok. Bon, et du coup, bah bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous et soyez à nouveau les bienvenus. Ce soir, je sais pas, on a plein de trucs à faire, genre continuer à débloquer des trucs pour la vraie fin. Je vais regarder mes processeurs parce que je crois qu'il y a un truc qui tourne qui me fait un peu chier là. Ah tiens, un truc que je peux faire aussi, hop, voilà, ça c'est bien aussi. Okay. Non, pas de mise à jour Windows à l'horizon, a priori, donc ça devrait aller. Or donc, fragments, tout ça, ce que je voulais améliorer, il me faut de l'argent pour le don alchimique, encore, hein, toujours la même histoire. Toujours la même rengaine. Hausse de chance, une fois le courroux du dragon, que c'est une des zones endgame. On a encore plein de zones, au moins 3 je crois, on a encore au moins 3 zones à explorer. Une nouvelle zone. Pickpocket. Est-ce qu'on travaillerait pas un petit peu sur Pickpocket? Parce que je pensais faire un stream pas trop long. Parce que bah, c'est tard, je suis fatigué. Donc qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on fait un stream genre semi-exploration, semi-farm.
Genre, je commence avec Pickpocket, et puis après, je vais chercher une nouvelle zone à débloquer, et on voit où ça nous emmène. Et puis, on s'arrêtera là, je pense. Que de Lily de mémoire, c'est les femmes, les bunny ladies qui drop. Yes. Probablement pas exclusivement, mais c'est en tout cas une bonne source de queue de Lily. Et donc elles sont au train, dans la zone du train, enfin à l'entrée du train. Pourquoi ça rame comme ça? C'est Bloodstained, bordel, c'est pas Crisis avec des mods. Quoi? De chance, artisanat, Guermoun, pilleur, pilleur. Pourquoi ça lag comme ça, bruve? Ah oui, et puis on avait ça aussi maintenant. Donc ouais. Elle est pas conne, Myriam, hein, quand même. Hein. Elle est pas conne, hein. Genre, voilà, elle sait que j'essaye de l'envoyer vers le soleil. Et elle se dit, nope. Nope. Bruve. Ok. Meilleur endroit pour accéder. Ouais, ça sera probablement les jardins. Le jardin du silence. On va y aller. Et puis, tourner le. Oui, je sais, je sais, je sais. Tout va bien. Désolé, je me verse un petit rafraîchissement pour cette séance de farm. Please understand. Que de Lily donc, combien il va m'en falloir pour Pickpocket? Je pense qu'il va m'en falloir au moins 3 parce que c'est le level 1 pour l'instant. Non, c'est rang 1. Rang 2, il m'en faut au moins une pour le rang 3, mais souvent avec les fragments, ça demande les mêmes composantes pour upgrade d'un niveau à l'autre. Enfin, en fait, il y a 3 tiers, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Enfin, 3 premiers niveaux, c'est le premier tiers, ensuite 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Et chaque grade a tendance à demander le même matériel de base, mais en plus, pour ce rang, pour ce tiers, littéralement ce tiers, ça demande un élément en plus différent. Mais généralement, c'est toujours le même objet de base. Donc, ce que je suggère, c'est de farmer des queues de Lily assez pour atteindre le rang 9 si jamais ça devient. Ah, d'ailleurs, puisque nous sommes ici et puisque nous avons maintenant. Puisque nous avons maintenant. Puisque nous avons maintenant. Puisque nous avons maintenant ça. Il est temps de. Ouais, d'ailleurs, ouais, on a plein de trucs comme ça aussi à découvrir. Ceinture noire. Augmente la vitesse d'attaque. Ah, si j'avais pas déjà les deux anneaux critiques de ouf, ça pourrait être envisageable. Je préfère la combinaison d'anneaux critiques, honnêtement. J'ai déjà maxé avec Carabosse, merci. Toi, t'as plus rien à me donner. Bon, tu me donnes quand même. Donc, écoute, ouais. Thanks, bro. Thanks, bro. Right, donc, au moins 7 queues de Lily, n'est-ce pas? Je pense que depuis l'autre côté, ça serait probablement le plus judicieux pour commencer. Étant donné que la sortie est plus proche de Lily que la gauche. Que de Lily, la première. Dommage qu'il n'y ait pas de musique dans cette section. Oreille de Lily.
c'est calme du coup d'un coup je. Ça fait un peu du farm lonely quoi. Such a lonely farm. And it's mine. The most loneliest farm in my life. Such a lonely farm. Should be banned. It's a farm that I can't stand. Puisqu'il n'y a pas de musique, c'est moi qui l'a fait, ok. Écoute, écoute, oui. Pourquoi pas? Ça peut être une opportunité de montrer au monde mes passions et. Ah oh, mon dieu, est-ce que genre je lance Spotify et je mets de la musique de FF14 juste pour brainwash mes viewers. Ah, je pense que ça pourrait être une bonne idée soudainement. Pourquoi j'ai que des oreilles de Lily? Sérieusement, explique-moi, parce que là j'ai pas envie de passer la soirée à faire que ça, s'il te plaît. Même moi je me fais chier là en fait. Meuf, c'était genre le film Mortal Kombat là, cette scène où ils font tous des backflips à répétition. Ok, Bruve. Est-ce que t'es pas à un autre endroit, Lily? Parce que franchement. Non, bah non, elle est que ici, dans cette zone chiante. Y a pas de musique. Y a pas genre un sound test? Y a pas un sound test quelque part? Je sais pas. C'est un truc à débloquer, je parie en plus. Tant pis. Et ben voilà, elle a que de Lily. Bon, j'ai deux queues de Lily. Ça permet de monter au rang 3. Non, bah non, ouais. En rang 4 même. Et puis de voir un peu quels composants ça demande pour le rang 4 à 6. Et je pense que je vais prendre ma décision à partir de là pour ce que je vais faire par la suite. On va utiliser une pierre. Ouais, je vais faire mon bourgeois. On va utiliser une pierre pour revenir au village là tout de suite. Parce que l'absence de musique là, ça me perturbe trop. Je peux pas. Merde, y a pas de musique dans le village non plus. Merde. Ah là, la musique. Hi. So, what'll it be? I'll go with this. Ouais, du coup, encore que de Lily. Ouais, bah que de Lily. Et bien, en fait, je me suis un peu fourvoyé parce que ça commence au rang 1 du coup. En fait, ça fait rang 1 à 4. Donc, on upgrade 3 fois. 4 à 7. 5, 6, 7. Ouais, 7. Et 7 à 9. Bref. Et du coup, que de Lily toujours. Et l'arme de sorcière. L'arme de sorcière, je suis pas sûr de pouvoir l'avoir immédiatement. Donc, probablement une raison d'arrêter de farmer des queues de Lily. En attendant d'avoir plus de chance, d'avoir du courroux de dragon pour améliorer la chance, entre autres. D'ailleurs, je peux toujours pas. Enfin, j'ai pas maxé du coup le fragment de chance. Bien, avec notre nouveau talent nous permettant d'accéder à des zones inaccessibles, que diriez-vous d'accéder à des zones précédemment inaccessibles? C'est mon idée là tout de suite. Et 15 minutes, ok. Je vais pas faire non plus un genre un stream d'une demi-heure. Mais ça sera plus 3 quarts d'heure que 1 heure.
On va pas. Je vais pas vous mentir, les amis. Ça me désole, mais. C'est la concession que je dois faire pour streamer aussi tard après une journée de boulot. Please understand. Je vais en profiter pour tabasser des vieux mobs que j'ai pas rencontrés depuis un moment. Maintenant que j'ai beaucoup plus de chance et qu'il y en a beaucoup, j'ai pas farmé le fragment non plus. Je pense que c'est judicieux. D'ailleurs, on a un... Plein de choses. On n'est pas revenu depuis longtemps ici, donc... incidentellement, il y a plein de choses à découvrir. Makwahiti. Qui est... un gourdin qui est mieux, qui fait du slash et du strike, mais bof, et une amélioration de capacité. What the fuck? Moi je voulais juste sortir du tunnel, Bruve. Un peu excessif. Surtout qu'on est déjà on a déjà réussi à grimper ici juste avec le double saut parce que skill. Mais comme j'ai dit, on va revisiter. Ah bah de l'argent justement. Voilà un ennemi qui donne de l'argent. D'ailleurs j'ai une zone pour farmer ces ennemis si je le désire. Mithridate, obsidienne, fer, or. Putain, quand je stream en ce moment, le chat, il est tellement dead. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas stream, mais... quand bien même. Bien, on a une sortie par ici qui va nous mener... Ah, bah non, du coup, non. Enfin, il y a une sortie ici aussi, qui peut être explorée. Oui d'ailleurs j'avais pas capté, mais oui il y a un truc ici. Avec chevalier d'argent. Chevalier d'argent. Il est encore meilleur. Il est encore plus fort maintenant. Good boy. Who's a good boy? Who's a good boy? Who's a good boy? Classe 3, il a encore un petit bout de chemin avant d'atteindre la classe 9. Je sais pas s'il est farmable, le chevalier d'argent, en fait. Peut-être en New Game Plus pour le maxer. L'arme d'oiseau, côte de bœuf ailée. Ah oui, nous voilà ici. Chevalier d'argent! Gâteau. Ah! Des recettes basiques qu'on a manquées. Ah oui, c'est vrai que quand je suis venu ici la dernière fois, je me faisais botter le cul sévèrement. Ça explique pourquoi. J'ai manqué plein de trucs. Optimisateur. Nah. Fuck off, bitch. PV max plus. Encore une zone plus tard pour aller voir ce que j'ai manqué. Toradar. Pierre molle. Du bon loot.
anneau de licorne. On a deux anneaux de licorne, je pense que c'est cumulatif. Chaque fois que j'utilise un objet de soin ou que la fée utilise un objet de soin alors que j'ai deux anneaux de licorne, je pense que ça augmente les... Oui, ça augmente. On verra si c'est cumulatif hein, par contre, mais a priori, il n'y a pas de raison. Ooh. Hey Queenie, what's up girl? PM Max. Optimizer. Non. 2000 or. Je vais pas streamer longtemps parce que fatigue plus boulot plus enfin, fatigue égale boulot égale fatigue. Donc oui. Donc je pense que ça va être un petit truc de 3 quarts d'heure, 1 heure, pas beaucoup plus. Clé de charpentier, je sais plus où l'utiliser. Ce que je sais, c'est que c'est une porte verrouillée qui donne accès à un boss caché. Et c'est tout, voilà. Récompense pour battre ces boss cachés, je sais pas, je sais plus, il y a des trucs sympas, il me semble, de mémoire, hein, n'est-ce pas? Chevalier d'argent! Chevalier d'argent! Il est encore plus fort! Who's a good boy? Who's a good boy? Pendant un moment, j'ai cru que tu t'es coupé les cheveux, non, t'as juste fait un chignon. Ouais, genre, un chignon de hipster. Hipster à la con. Ça vaille bien quand je fais du headbang, mais. Bon, allez, tant qu'à faire, on va aller découvrir le reste de la zone plus loin. Parce qu'apparemment, j'ai des carrés non découverts de ce côté. Silver Chariot! Ah ouais, non, mais il est pété. Il est pété, Silver Chariot. Putain, et attends qu'il devienne Requiem, hein, quand je l'aurai maxé rang et classe, il deviendra Requiem. Fuck you too! Augmentation de magie. Ah non, esprit. Jimi Hendrix! Au revoir Jimi Hendrix! Or donc ici nous avons un levier qui soit nous permet donc de bloquer l'accès jusqu'en bas ou de nous permettre de traverser, ce qui n'a plus vraiment d'importance à ce stade, donc fuck this. Et en bas on a donc le dragon vert que je pensais était le dragon qui donnait le courroux de dragon, mais non, c'est pas le bon dragon. Ça, c'est juste le dragon qui nous permet de cuisiner du flan, parce qu'il donne des œufs de dragon. Et évidemment, les œufs de dragon sont un ingrédient essentiel à la fabrication d'un flan. Et là, je me demande comment Nestlé fait pour trouver tous ces œufs de dragon juste faire leur dessert, quoi. De manière générale, j'aurais cru que genre les dragons seraient une espèce en voie de disparition, genre que ça serait très difficile d'avoir des œufs parce que bon, ils ont probablement des cycles reproductifs très longs étant donné que ça vit des milliers d'années. Ah bah tiens, en parlant de dragons, faisons un génocide. Voilà. Et donc, œuf de dragon, surtout que ça a un drop rate assez bas, donc j'imagine que bon, bah tuer tous ces dragons pour pouvoir faire des flancs, c'est quand même un peu excessif. Je sais pas ce que vous en disiez, mais. Putain. Hold up.
même pas encore échangé les âmes dans les corps, j'espère. Seul le temps peut le dire. Tiens d'ailleurs, je vais en profiter pour checker le plafond, même si bon, je pense que le secret, il est, voilà, c'est là où on a. Je check. Double check, triple check même. Right, petite pièce en bas à gauche. Je suis allé trop loin dans ton explication, mec. Je suis fatigué, ok. Je suis déjà pas très connu pour ma cohérence, d'accord. M'en demandez pas trop, les mecs. Hein. Je veux dire, soyez, voilà, please understand, hein, comme je dis. Hein, Silver Chariot. Il est encore plus fort. Trois buffs de Silver Chariot en un stream. Oh mon dieu. Le Requiem approche. Tremblez, pauvre mortel. Vous allez bientôt évoluer pour atteindre le nouveau stade. Vous allez lentement vous transformer en créature de Cronenberg. La salle de Céleste, oui, on avait la clé. C'est nouveau ce pouvoir en fait. Dernier stream du coup, littéralement, enfin le stream que j'ai fait ce matin. Battu un boss, récupérer un pouvoir. Cool. Et du coup la salle de Céleste, je suis à moitié en train de me demander si c'est pas genre un combat à mort avec un boss super surpuissant qui m'attend. Donc please understand. Ouais, c'est pas un gros gain de temps ce pouvoir en fait. Je me souviens de ça, j'ai regardé en ligne tout ça, je comprends, enfin Céleste je pense c'est une référence à ce jeu qui s'appelle Céleste. J'ai pas la ref, et Isampire j'ai pas la ref. Ok, on a encore tout en haut à gauche là, pas tout en haut, mais en haut à gauche là on a encore un petit bout d'exploration à faire, mais... Ouais, on va retraverser à pied, comme j'ai dit. Retomber sur des mobs que j'ai déjà vaincus, peut-être pour obtenir quelques matériaux, des fragments que j'ai zappés, etc., etc. Quand on parle d'ici, il y a quoi ici? Il y a rien. On s'en fout. Hey. 30 minutes déjà, enfin, ça passe vite. Mais on découvre des trucs, enfin surtout des buffs pour Silver Chariot. Donc c'est cool. Et j'ai toujours Pickpocket qui est actif en permanence. Je ne comprends pas. La porte du millionnaire, j'ai pas la clé, je crois. On va essayer quand même, mais je vais sauvegarder avant parce que je vais probablement mourir. Ah non, oui, non, le millionnaire, on l'a déjà fait. Enfin, je sais pas si je l'ai vaincu. Je crois pas l'avoir vaincu. Je
pense que j'ai essayé de le battre et j'ai pas réussi. Parce qu'il avait genre 5000 PV, un truc comme ça. Est-ce qu'on n'est pas plus fort maintenant assez pour le vaincre, genre? Il est probablement pas dans mes archives parce que je suis mort, donc ça compte pas. On va essayer ça. J'avais pas essayé de le... Ah non, c'était avec Zangetsu. C'était avec Zangetsu que j'avais essayé de le vaincre, je crois. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression d'avoir essayé de le battre en stream. Wow, déjà vu. Well, fuck you too, bitch. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment. Équipement légendaire Bruve. On va probablement faire un petit retour au village pour checker cet équipement légendaire. Je sais pas pourquoi je... de ce côté-là, je pense que l'entrée du château, c'est notre prochain objectif pour explorer. Je crois que ça va être le dernier truc que je vais faire avant de retourner au village. Vu qu'on est à côté d'un TP, je peux y accéder facilement. There. Fuck off, bitch. Citron. Fuck. Joystick, please. Listen to me. Je suis pas certain de la fiabilité d'œil de détective si je vais à cette vitesse et que je passe à côté d'un mur cassable. Enfin, surtout mes propres réflexes en fait pour détecter un mur cassable sur le chemin. Ouais, ça ralentit assez la chute. C'est un bon moyen de pouvoir checker. Right. Donc on est ici. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y avait ici? Je sais plus. Chevalier d'argent, probablement. Come!
Comment passer les vierges de fer? Je me souviens plus du tout. Bah, soit faut pousser un ennemi dedans, soit faut... Tout simplement. Yeah. Tout simplement. Là par contre, tu me poses une colle, jeu. C'est le bon vieux mime de Castlevania, casser les pics, le couloir de pics. Et c'est malheureusement un mime que je n'ai pas encore apprivoisé, je pense. Ouais, bon, du coup, c'est pas une option, je pense. T'en as plein dans les chantae. J'ai pas la ref. Jean-Pierre, j'ai pas la ref. Coffre, coffre, coffre. C'est la place. Je me souviens. Si, je l'ai lu ça, je pense. Mille fleurs. Hé hey, j'étais en train de lire. Good stuff for you. Je suis invincible quand je lis. Un argument pour l'éducation, les enfants, hein. Quand vous lisez, vous êtes invincible. Parce qu'il y a même des choses à dire, chuter est pas mal. Je sais plus ce que ça me dit, Chantae, j'ai déjà entendu le nom, mais je suis un peu le contexte, ni le... Je suis un peu le contexte. Fuck. C'est la pièce des ouh. Viande R. On trouve des trucs et des machines. On débloque lentement des trucs pour le 100%. Ce que je considère comme un 100%, ça va être basiquement tous les fragments récupérés, plus toutes les quêtes accomplies, plus toutes les fins. Mettez une petite étoile à côté de ça. Toutes les fins, petite étoile. Quand applicable. minutes. On va retourner au village. Regardez tout ce qu'on a débloqué. Et puis bah bon, je suis vraiment désolé, je suis navré, c'est regrettable, hélas, c'est ainsi, c'est la vie, mon ami. Mais je m'arrête ici quoi. Le stream pour aujourd'hui, c'est fini. Enfin, vous savez, franchement, au vu de mon passif en tant que vidéaste, créateur YouTube, vaut mieux un stream de 45 minutes que pas de stream du tout. Et ouais, ça fait réfléchir, hein. Ça fait réfléchir. Donc appréciez ce que je vous offre, parce que je le fais quand je peux. Et quand je veux.
Ouais, c'est vrai que ça joue aussi. Je vais pas mentir, des fois j'ai pas envie. Et c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Ok, voyons voir nos recettes légendaires. What are we transmuting this time? I don't know. You tell me. Ça, c'est du fouet de bâtard. Je jouais fouet la dernière fois et celui-là je l'ai pris. Il est bon. Il est bon. Lui aussi est bon, hein, en tout aspect, quand il est utile. Mais alors lui. Anyway, on a aussi des trucs comme ça, c'est pas mal. Lance, lumière. Merde, il va faire des critiques YouTube. Andromède, c'est un fouet, chaîne, un fouet. Mais bon, vu le design, tu peux partir du principe que c'est une chaîne, ouais. Bref, du good shit, good stuff. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout. Oh, oh my. Les Pléiades. Un truc qui augmente tout. C'est probablement la meilleure pièce d'armure pour la tête. Un truc interchangeable. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est la meilleure pièce d'armure pour la tête. Je vois une grosse ref à Saint Seiya ici. Senseiya. Je pense que même simplement dans Senseiya, le fait que Andromède c'est une chaîne, c'est une référence déjà à la mythologie. Je sais pas. Je dis ça comme ça. Mais bref, anyway, oui. Moi aussi j'ai vu la ref. Juste au bout d'un moment, tu t'arrêtes de relever les refs parce qu'il y en a certaines, elles sont tellement boomer. Bon, je vais pas dire que Senseiya c'est boomer, hein, mais. C'est vrai que tu te demandes à la jeunesse, tu parles de Senseiya, les chevaliers du Zodiac, tout ça. Ben, ils connaissent de nom, quoi. C'est tout. C'est pas grave. Moi aussi, je connais beaucoup de trucs de nom. Et pas plus. Right, bon bah du coup les crafts qu'on avait c'était surtout des armes et des armures de tête. Parce que là je vois pas grand chose de nouveau de ce côté là. C'est pas mal, les Pléiades, il nous faut de l'alexandrite, il nous faut des diamants. Diamants, on a déjà eu des drops, on a déjà eu des coffres. Auricalque, ça je me souviens plus où c'est par contre, mais c'est pas grave, on y viendra éventuellement. Hein, comme toute chose. Anyway. Oh, je peux faire des trucs. Oh, je peux faire des trucs. Où... Fraises ? J'ai eu des fraises ? Quand ? Où ? Qui m'a drop des fraises ? Fraises ? Excuse me, what ? Non, non, dans l'autre sens. Charlotte. Et d'ailleurs, lui, il drop des diamants à 4%. Qui drop des fraises? C'était les coffres, peut-être? Jimi Hendrix, strawberries. Confirmed. Il drop des smoothies aussi.
Et Et aussi, du coup, ben, Seleno. Je t'ai pas revu depuis un moment, toi, par contre. Anyway, ouais, je m'excuse, vraiment, pardonnez-moi, je me repens. Ça veut dire que je me suis déjà pendu une fois, mais j'ai foiré, et du coup, je me repens. je vais m'arrêter là pour ce soir. Hello. What are you looking to buy? Please understand. Thank you. D'ailleurs, la crêpe aux fraises pour mémé. Est-ce que c'est envisageable là tout de suite? Parce que j'ai des fraises du coup. Ça pourrait être un bon truc pour finir le stream. Juste faire un nouveau plat pour mémé. C'est envisageable. Et je peux même peut-être envisager d'en crafter 3 d'un coup. Ah non, j'ai pas assez de fraises. C'est pas grave, tant pis. J'ai pas envie d'aller farmer des fraises là tout de suite. J'aurais farmé des trails pour dons alchimiques, mais voilà. Voilà. Ouf. Pardon, c'est pas très classe. Je me sens conscient d'un coup. Et donc, ben, merci d'avoir regardé. Portez-vous bien. Fais chier, toi, putain. Et je vous retrouve donc demain matin, si tout va bien, si je me réveille avant, pour un petit stream encore. Je pense cette semaine, ça va être des... double petit stream tous les jours, un le matin, un le soir, et ça, voilà, il n'y a que comme ça que j'arrive à streamer quand je bosse d'après-midi, voilà. Merci d'avoir regardé, portez-vous bien, et je vous retrouve donc la prochaine fois pour la suite de Bloodstained. Je vous aime. Bye. Bye Queenie. Dors bien. Tchuss. Oh putain.